à Paris depuis combien de temps? 1939, monsieur. Et les ravitaillements, c'est pour qui? Pour moi. Tu mens. Je te propose un marché. Tu nous rends service et on te laisse continuer ton petit trafic. Tu as un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui, ici en France. Et demain, chez nous, en Algérie. J'étais au courant depuis le début. Par contre, je savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Salim Alani, dépêche-toi. C'est des faux papiers pour une famille, des gens de chez nous qui sont en danger. Je vais pas prendre de risques pour des gens que je connais pas. Allez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Fais-le pour moi. Mais ses enfants sont juifs. Ses enfants sont nos enfants. Vous auriez dû me prévenir. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Tu as été dénoncé. On sait que t'es juif.